pense que notre programme d'études donne les outils nécessaires aux futurs artistes pour comprendre le milieu et puis se faire une carrière dans le milieu des arts. Faut pas s'arrêter à juste dire « Oh, un artiste, ça fait pas grand-chose. » Non, un artiste, ça vit dans les centres d'artistes. C'est actif. Si on reste dans l'action, on a sa place. Je viens de Montréal, j'ai choisi mon université avant de faire mon déménagement. Puis je pense que c'est la plus belle chose que j'ai faite. Le baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'UQAC, c'est 5 secteurs artistiques qui se rencontrent dans un même programme d'études universitaires. On parle d'art visuel, on parle d'art numérique, de cinéma, de théâtre. On parle aussi de notre nouveau secteur qui est médiation et transmission culturelle en art. Alors, les étudiants vont apprivoiser les nouvelles technologies pour créer des installations interactives, des performances sonores, des images numériques, des œuvres qui exploitent toute possibilité qu'offre le numérique. J'ai commencé, je suis entré comme photographe qui voulait travailler l'image numérique. Je me suis ramassé à travailler l'installation et les arts génératifs. Les arts numériques, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Donc, on peut avoir des cours qui sont de l'imagerie numérique, des cours de son, des cours de vidéo. Le baccalauréat en arts interdisciplinaires à l'UQAC m'a aidé à me former comme artiste professionnel. L'étudiant qui suit le profil en cinéma vidéo va sortir avec une expertise. C'est vraiment un programme qui est orienté pour quelqu'un qui souhaite travailler avec ses instruments de façon vraiment à avoir une production qui lui ressemble. Sans l'UQAC, j'aurais pas pu devenir réalisateur, j'aurais pas pu réaliser mon premier long métrage, ni mon deuxième que je suis en train de faire, et ni non plus d'avoir la carrière que j'ai présentement, de réalisateur commercial. Ça va bientôt 6 ans que je pratique ce métier-là, et c'est grâce à toutes les notions et l'expérience que j'ai acquises lors de mon passage à l'UQAC et de mes cours en cinéma. Donc je suggère fortement aux étudiants qui envisagent une carrière en cinéma ou dans les autres médias. J'ai aimé cette formation-là qui a approfondi en fait ma recherche sur mon jeu, ce qui m'a amenée en fait aujourd'hui à être comédienne professionnelle ici, également animer une émission de télévision culturelle. Donc aujourd'hui, je peux aller rencontrer plusieurs artistes émergents et établis dans le cadre de mon émission. Non seulement que ça nourrit ma pratique, mais également on est capable de faire la lumière sur ce qui se fait ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, très belle formation, le bac interdisciplinaire en arts. Ça nous permet de travailler dans le domaine artistique. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Pour transmettre l'art et la culture, il faut la connaître, pour l'expliquer aux gens, faire le pont entre la culture et la communauté. Il y a cette formation maintenant en médiation culturelle à l'UQAC. Je pense que c'est une belle ouverture, une belle porte, quelque chose qui est en naissance, qui va prendre de l'ampleur et qui est, je pense, nécessaire à une société en santé. S'adresse à des personnes intéressées à diffuser, gérer et puis créer des liens entre l'art et la communauté. L'intérêt de la formation en théâtre, c'est qu'à la fois elle est ouverte aux autres disciplines, donc interdisciplinaire, un théâtre pluriel. Il y a aussi une véritable relation humaine entre les professeurs, les techniciens et les étudiants qui s'intéressent à la fois à la vie universitaire, à leurs cours, mais aussi à ce qui se passe à l'extérieur de l'université. Ça fait de moi une créatrice qui peut agir maintenant dans le contexte actuel et proposer des projets vivants. Je suis active autant au niveau de la scène, mais aussi un peu à l'extérieur de la scène en faisant de la conception vidéo pour la scène théâtrale. Donc, ça permet une interdisciplinarité aussi au niveau de l'emploi après le baccalauréat ou la maîtrise. On trouve aussi une chaire de recherche du Canada, dramaturgie sonore au théâtre, que je dirige et dans laquelle les étudiants peuvent venir se confronter à des questions de recherche, des questions de création différemment que dans un cours.